Noélie Yarigo, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter, mais je vais quand même le faire, hein, parce que vous êtes notre fierté au niveau Merci. national, mais aussi international. Parce Merci. que vous avez été double championne de France en salle pour les 800 mètres, et que récemment, vous êtes allée jusqu'à la demi-finale pour les JO de Rio. Donc, votre pouvoir à vous, il se présente dans vos jambes. Donc, dites-moi malgré tout, quel est pour Noémie Yarigo le mot pouvoir? Que signifie pour vous ce mot? Pour moi, le pouvoir, c'est le pouvoir s'investir dans la vie. Et donc, cette façon de s'investir dans la vie, est-ce que vous investissez de la même manière dans votre vie personnelle que professionnelle, avec autant de force? Bien sûr. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir, en tout cas de cette détermination à agir, selon si on est un homme ou une femme? Selon moi, il n'y a pas. Je pense que la femme peut exceller dans tous les domaines, au même titre que l'homme. Que l'homme. Oui. Et on dit souvent que les femmes qui ont réussi, qui ont du succès, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que ça a été votre cas? Bien sûr, moi j'ai sacrifié beaucoup de choses avant d'atteindre le niveau que j'ai actuellement. Je ne mène pas une vie normale comme les autres femmes. Je m'entraîne tous les jours. Donc il y a certains trucs que je me prive pour pouvoir atteindre mes objectifs. Est-ce que ça, c'est un message que vous pourriez délivrer aux jeunes filles qui souhaiteraient accéder au pouvoir, ou en tout cas réussir ou concrétiser leurs rêves? C'est ça, c'est que quelles que soient les contraintes, il faut se donner. Ouais, quelles que soient les contraintes, il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours insister. Et comment arrive-t-on à gérer l'épanouissement, enfin, personnel, puisque tout à l'heure vous me disiez qu'il y a plein de choses que vous ne faites pas, comme les jeunes filles de votre âge. Comment arrive-t-on à gérer cette frustration? Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses. Il y a un moment réservé à la distraction, un moment pour travailler. Très bien. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Pour changer le monde, je vais commencer d'abord par changer nos mentalités. D'accord. De tout le monde ou essentiellement des jeunes? De tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez une phrase ou une devise, un proverbe qui vous inspire ou qui illustre votre engagement ou votre détermination? Bien sûr, no pain, no gain. Pour réussir, il faut vraiment souffrir pour pouvoir espérer quelque chose. Donc, il n'y a pas de succès sans souffrance. Sans souffrance, oui. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Je serais une guéparde. Et pourquoi? Parce que le guépard court vite et il n'a peur de rien. En préparant cet entretien, on vous avait demandé de nous apporter un objet ou quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Bien sûr, moi-même. Ça suffit que vous attendiez à ce que je me mette en jogging. C'est vrai. C'est vrai. Donc, pour faire la différence, j'ai essayé quand même de mettre un truc. Mais en tout cas, vous êtes magnifique. Merci. Donc, en effet, je trouve que c'est un bon équilibre de pouvoir et de féminité. Et ça casse aussi les images qu'on a, que souvent les sportives, elles ne prennent pas soin d'elles, qu'elles sont tout le temps en jogging, qu'elles ne se maquillent pas. Donc, là, on se pense que quand on est musclé, faut pas, on ne peut pas porter les mêmes tenues que les autres femmes. Mais moi, ça ne me dérange pas, je me mets parfois en robe. Mes muscles, ça ne me dérange pas, moi, je me sens bien à l'aise dedans. Ben, vous avez raison. Si une petite fille regarde cet entretien et déclare « Quand moi je serai grande, je voudrais être Noélie Yarigo », vous lui diriez quoi? Je lui dirais vraiment d'être forte mentalement et de ne jamais baisser les bras, parce que moi
J'ai vraiment beaucoup travaillé, même si ça a été difficile, mais je n'ai pas baissé les bras. Je me suis dit, bon, si d'autres personnes ont pu réussir, ça veut dire moi aussi je peux réussir. Donc, c'est sur cette base que je me suis lancée, et puis aujourd'hui, j'ai réussi mon objectif. Très bien. Dites-moi, Noélie, avec toute cette victoire et vraiment aussi toute cette reconnaissance à l'international, si vous deviez changer quelque chose, par exemple, par rapport à vos débuts, qu'est-ce que vous changeriez? Rien. Je pense que avec cette victoire, j'ai vraiment beaucoup appris, et il y a certainement des choses et certains domaines dans lesquels je dois travailler avec mon entraîneur, parce que mon objectif là-bas, aux Jeux Olympiques, c'était d'accéder à la finale, mais j'ai pas pu accéder à la finale. J'étais vraiment choquée, mais bon, je me suis dit il faut que je travaille dur, ce que je fais d'ailleurs. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a, d'après vous, manqué pour accéder à la finale? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est le manque d'entraînement physique? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Ou le soutien, peut-être un moral? Non, je pense que j'étais vraiment soutenue moralement. Il y avait vraiment des milliers de Béninois qui m'ont vraiment Encouragé. encouragée. Sauf que, à 3 mois de l'événement, j'étais vraiment très malade. D'accord. J'étais hospitalisée parce que j'étais revenue ici au Bénin pour une course que j'organise dans la Pangari, dans les foulées de la Pangari. Ça s'appelle Et comment? les foulées de la Pangari. D'accord. Donc, je me suis fait piquer par les moustiques, et à mon retour en France, j'ai fait une grosse crise de paludisme. Du coup, j'ai été hospitalisée Écoutez. pendant des semaines à l'hôpital. Donc, j'ai dû tripler parfois des entraînements pour pouvoir arriver à mon meilleur niveau. Mais pendant ce temps, mes concurrentes ne dormaient pas non plus, C'est elles travaillaient. ça. Donc, je suis juste satisfaite de mon résultat aux Jeux Olympiques. Oui, parce que c'est quand même très honorable, vu qu'il y Parce a. que c'était pas gagné d'avance en fait. Mais je me suis dit, bon, je peux y arriver. Je m'étais fait confiance. J'ai fait confiance aussi à mon entraîneur, et voilà. C'est vrai que le mot confiance en soi, confiance aux autres aussi, est quand même essentiel dans une victoire, en fait. Oui, parce qu'au début, j'écoutais trop mon corps en fait. Parce que la tête a un disque dur en fait. Quand la tête dit je suis fatiguée, tout le reste du corps suit. Donc, aux Jeux Olympiques, je me suis dit, bon, ça passe ou ça casse. Faut que j'y aille. Donc, vous avez refusé d'écouter votre Voilà. tête pour que votre corps ne l'écoute pas non plus, c'est Bien sûr. ça? Donc, vous avez fait switch off. Ok, c'est vrai que le mental est quand même fondamental. C'est très fondamental. Il n'y a pas que le physique qui compte dans l'athlétisme. Il faut le mental et le côté physique aussi. C'est vrai. Quelles sont vos prochaines échéances? Parce que vous avez encore énormément de compétitions à l'international. C'est quoi les prochaines échéances? Là, je viens de reprendre les entraînements, et en décembre, je pars au Kenya pour 3 mois de stage. Et ensuite, je reviens en France pour une série de compétitions avant de prendre part aux Jeux de la Francophonie, et ensuite Ça sera quand les prochains Jeux de la Francophonie? c'est en août. En août 2017. Août D'accord. 2017, et ensuite au championnat du monde et de Londres D'accord. en août aussi. En août aussi, donc Oui, c'est. c'est vraiment très chaud. Ah oui, ça va être intense. Et donc ça se passera à Londres, les championnats du monde. Bien sûr. Très bien. Bon, mais je pense qu'il y a de quoi faire là. Bien sûr, c'est vrai que ça serait vraiment dur, mais moi, j'ai pas peur. Je fais confiance à mon coach, je fais confiance à moi-même, et je vais travailler dur pour y arriver. Je crois qu'il faut vraiment que la valeur travail est quelque chose qu'il faut intégrer, et surtout dans votre discipline et dans votre choix. Puisque comme vous disiez tout à l'heure, c'est la détermination, la volonté, la confiance en soi, la confiance aux autres. Moi, c'est les mots-clés que je retiens
de notre discussion, est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose qu'on peut, que nous, on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part bien évidemment la victoire, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter justement pour concrétiser cette victoire? J'ai juste besoin de votre soutien, du soutien moral, c'est tout. Donc, on passe le message pour toutes les personnes qui vous connaissent, mais qui ne vous connaissent pas encore, qui vont vous découvrir, qui sont du Bénin ou pas d'ailleurs, de pouvoir vraiment vous apporter leur soutien. Et nous croyons vraiment que c'est avec autant d'envie, de rage de réussir, ça mérite en effet le soutien de tout un peuple derrière. Et je suis sûre que tout le monde est d'accord avec moi. Je suis vraiment très motivée et j'irai jusqu'au bout de mes objectifs. Très bien. Comme dirait quelqu'un, seul le ciel constitue votre limite, c'est ça? Bien sûr. Très bien. Donc, notre entretien touche à sa fin. Pour, en un mot ou en une phrase, pour Noélie Garrigou, la détermination, le pouvoir, c'est quoi? La détermination, le pouvoir, c'est de pouvoir réussir dans le domaine que l'on a choisi. Très bien. Quelles que soient les difficultés. Très bien, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir, un honneur. Merci à vous aussi. Et on est avec vous pour toutes les autres compétitions et encore bravo. Merci, je croise les doigts pour les autres, pour les prochaines échéances. Je suis sûre que ça sera encore de grandes, grandes, grandes victoires, parce qu'il y a encore plein de belles choses qui arrivent. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.